Yo les gens, c'est Lord Fab, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo invocation sur Jaden, le nouveau personnage qui me hype grandement et qui vient de sortir. Alors attention, ça va saigner, va y avoir du sel, on va dépenser jusqu'à 40 000 visiors. Bref, c'est Lord Fab, restez bien accrochés, séquence émotion. Petit disclaimer, attention, cette vidéo est réalisée par un professionnel, n'essayez pas de reproduire ça chez vous, je dépense beaucoup trop de visiors dans ce jeu, ne faites pas comme moi. Allez, sur ce, à tout de suite. Allez, on se retrouve rapidement sur les différentes manières qu'on va analyser. Alors avant de commencer, vous le savez, comme l'ensemble de mes vidéos, elles sont sponsorisées par Amazon Coins. Si jamais vous dépensez des visiors, vous avez jusqu'à moins 20% pour vos packs grâce au lien wotv.lanfa.com. Donc si jamais vous êtes un dolphin, whale ou krakel et que vous dépensez dans le jeu, que vous souhaitez soutenir aussi la chaîne, vous pouvez aller sur wotv.lanfa.com, télécharger la version Amazon App Store du jeu, retrouver vos visiors, les acheter et vous allez dépenser jusqu'à moins 20%. Honnêtement, moi ça m'a fait économiser énormément. Fin de l'estampation. Alors maintenant, on va parler des bannières. Première chose à savoir, c'est celle-ci. Donc l'atout vision, avec les étoiles incluses. Alors cette bannière-là, elle est parfaite, entre guillemets, puisque vous avez directement. Vous cliquez, vous l'avez. Sauf que, avant d'aller vous jeter dessus, regardez quand même si vous avez besoin de cet atout vision. Moi, personnellement, dans mon équipe, je ne vais pas utiliser cette atout vision. Elle donne la résistance attaque de zone 20, de l'attaque projectile 18, attention que pour les unités de lumière, de la dex plus 35%. Alors la dex, oui, c'est très bon, la dex. Enfin, je veux dire, voilà. Derrière, vous avez aussi de la lumière pour lui, PV et PA acquis. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour votre équipe? Vraiment, checkez, faites des mix de vision card, regardez les personnages que vous mettez pour voir et regardez si elle est bien ou pas avant d'utiliser 2000 viseurs payés. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, les trois bannières qui arrivent. Alors, la première dont je vous ai parlé, c'est celle-ci. Alors, cette bannière-là, clairement, elle est sympa parce qu'elle donne pas mal de choses, des tickets sélectionneurs, machin, etc. Mais le problème, c'est que... alors, au niveau des caractéristiques, pardon, au niveau des taux d'apparition, c'est la même chose que les autres, donc c'est bien. C'est-à-dire que vous avez effectivement vos 0,4% sur Jaden qu'on va voir là, tac, donc c'est bien. Par contre, sur la Pity, vous allez voir, eh ben, vous n'avez pas les 25%. Et là, c'est là le plus intéressant. Sur cette bannière-là, la bannière que je conseillerais, surtout au free-to-play, pour essayer de dépenser le moins possible, vous avez en fait... Alors certes, les étoiles sont incluses, donc ça c'est très bien, mais surtout, le taux d'apparition 25% de Jaden au bout de la cinquième invocation. Donc vous faites, la dixième invocation. Donc vous chopez vos médailles, et il faut savoir aussi qu'au bout de 2000 médailles, donc 20 tirages, donc 40 000 viseurs, vous pouvez aller chercher le personnage dans la boutique. Mais si vous voulez essayer de l'avoir avant, ça c'est vraiment pas mal, clairement. Alors... Moi, c'est ce que je conseille de prendre. J'ai fait cette bannière-là pour la tester. C'est-à-dire que, en fait, je voulais voir, est-ce qu'il y a des étoiles, pas des étoiles, etc. Donc, on a des étoiles au palier 1, au palier 3, au palier 5. Au palier 5, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est des viseurs payés, donc ça coûte hyper cher. Donc voilà, et vous n'avez pas la pitié. Donc, je ne vous conseille pas forcément, si vous êtes free-to-play, d'aller chercher ça. Moi, je vais le faire, mais ne le reproduisez pas à la maison. C'est pas bien. Parce que c'est 4000 viseurs payés quand même. Alors certes, c'est beaucoup, mais il faut savoir que le garanti qui est ici, il a aucune chance, enfin il a très peu de chance, 0,6% de chance de choper Jaden, pardon. Donc celui-là ne sera pas Jaden, très peu de chance. Donc là effectivement, on a les 40 fragments, c'est plutôt bien, mais par contre, derrière, les chances d'avoir Jaden ici sont de 0,6%, c'est très 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 bas. Et d'ailleurs, pour la toute vision, elles ne sont pas forcément beaucoup, beaucoup augmentées non plus. Donc, ce n'est pas la faute. Voilà. Et là, forcément, vous allez voir, je vais choper un truc n'importe quoi. Donc, oui, certes, j'ai chopé, entre guillemets, 40 fragments de Jaden. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais claquer mes viseurs normaux ici
dans cette bannière. Je vais faire la pitié. Et si je ne l'ai pas, je retournerai sur la bannière payée pour dépenser, puisque comme il ne me restera que des viseurs payés, je dépenserai mes viseurs payés. Ouh, direct, ça commence, les amis, avec un petit... ouais, donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien, directement. Paf. Et on a Jedain tout de suite. On a Jedain tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est le stream hack. Et en stream hack, normalement, on a le personnage tout de suite. Donc attention, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, je suis vraiment désolé parce que je suis malade comme un chien. Mon fils m'a donné la crève. Voilà. Phoebe, j'adore ce personnage. Et du coup, je porte une sublime écharpe des Panthers que j'ai été acheter là-bas. Savoir qu'est-ce que c'est que cette écharpe et d'où elle vient. Si vous savez dans les commentaires d'où ça vient, dites-le moi. Oh, Laswell, c'est pas toi que je veux, l'ami. C'est pas toi que je veux. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Bon, c'est pas très grave. Ça nous fait des étoiles et c'est très bon. C'est ce qu'on veut. Ces étoiles. Très, très bon. Allez, on continue. Là, pour le coup, pas grand-chose. Allez, parti. Mon ami Jedain me l'a dit ce matin. Allez. C'est parti. Toujours rien. Hey, non. Les petites étoiles qui font plaisir. L'appétit qui monte à chaque fois. L'appétit, c'est 5. Vous savez que j'ai des conneries tout à l'heure. Je pensais qu'on augmentait de 10% à chaque fois. Mais en fait, non, on augmente de 20%. Donc c'est bien. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc cette bannière est définitivement très bien. Parce qu'une chance sur 4. Au bout de 10 000 viseurs, c'est bon. Ouh, et en plus, on a un... Ouh, c'est bon, ça. On a un arc-en-ciel, les amis. Allez. On y va. On a envie. Et c'est le... Et c'est le GG. Moi qui suis malade, il faut pas que cette virée dure trop longtemps. Allez. Ah, Nivelu. Ah, j'adore Nivelu. Nivelu, c'est bien une gueuneuse, mais c'est pas le bon. C'est pas la bonne gueuneuse. Voilà. Donc c'est marrant parce que me semble-t-il que sur la bannière, je dis pas de bêtises, je crois, je me trompe peut-être, avoir lu que l'appétit monte de 10%. Et là, c'est de 20%. Donc c'est top. Alors allez, là, je vais passer. Là, je vais passer, comme ça, je l'ai direct. Non. Je ne l'ai pas. Je vais quand même aller lire la bannière vite fait. Je suis assez étonné que ce soit 20 pour la pitié. Je pensais que c'était du 10% à chaque fois. Alors, on va regarder directement sur cette bannière le taux d'apparition. Et on nous dit bien que la jauge se remplira légèrement, même si vous... Ah non, bah, c'est pas dit. Légèrement, c'est 20% pour eux. Bah, C'est bien, ah oui, chaque invocation, 20%. Donc je dis de la merde, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment bien, cette bannière, parce que du coup, elle vous permet de, justement d'avoir une chance sur 4 tous les 10 000 viziors payés, enfin non, tous les 10 000 viziors utilisés non payés, une chance sur 4 d'avoir le personnage, et ça, honnêtement, c'est vraiment bien. Nulas. Allez, 100%, c'est parti. Donc là, on a prochaine invocation. C'est parti. Go. Oh, Jamie, go. Allez. Donc là, on va avoir... Est-ce que c'est le... Je crois que c'est le... Je sais plus si c'est pas le premier. Oui, c'est le premier. Une chance sur 4 d'avoir Jedain. Jedain, oh, il ressemble, mais c'est pas lui. Shit. This is not good. Allez, on continue. Sur les prochains tirages, j'essaierai de machiner mon Twitch pour qu'on puisse les faire en live. Ça serait pas mal. Allez. Ça continue, les amis. Bon, tant pis.
Tant pis, on n'a pas eu. On redémarre à zéro et on y va. On espère qu'on va l'avoir. Allez, à une chance sur quatre, ça fait mal. Ça fait mal. Oh oui. Une petite animation. Ouais. Ça que c'est bon. Ça que c'est bon. Tu peux être là, Jaden. Tu peux être là, mon petit Jaden. Oui, tu es là. Tu es là. Hein. Je ne veux pas utiliser les médailles pour acheter le personnage. Non. J'ai dit non. Ah non. Corwell. Ah non, mais c'est le pire qu'on peut choper. Non, mais sérieux. Tu chopes un perso gratos dans le bordel, quoi. Ah non, mais là non. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, les amis. C'est négatif. C'est interdit de faire ça. Interdit. Allez, on y va. Chut. Aïe. Bon, allez, on va cliquer sur passer et on y va. Ah, vous voyez une UR. Il y a la petite Luarta qui est arrivée, des familles. Bon, allez, c'est pas mal. Pas mal, elle est gentille en plus, on l'aime bien. C'est une gunneuse. Vous avez vu que moi, je suis le spécialiste uniquement des gunners. Que des gunners. Attention. Allez, on passe. Boum. Ça va plus vite. Allez. Ah, nul. Ok. Tant pis. Par contre, ça fait des médailles. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, les petites médailles. Allez. J'utilise des visiors aussi, ça c'est bien. On reclique sur passer parce que là c'est horrible. Voilà. Et là, voilà, on n'a rien du tout. Voilà, ok. Une chance sur quatre. Bientôt, les amis. Bientôt. Ouf. Et maintenant, vous voyez que je n'ai plus que des visiors payés. Et là est le problème. Là est le problème parce que je n'ai pas envie de dépenser mes viseurs payés pour ce morceau-là, pour cette bannière-là. Ouh ! Ça se transforme en mort, mais il se passe rien, quoi. Que de la daube. Non. Et là, allez, transforme-toi. Ah oui ! Petite écharpe, les petits panthers. Fais bisous, et on y va ! Ah, King monte. Alors, King monte perso exceptionnel, mais non, non. Putain, on en a eu des UR, mais alors là, rien qui me plaise. Est-ce que dans cette vidéo, on n'aura pas Jaden? C'est très possible. Alors là, deux. Là, on aura deux UR. Non, un seul. C'est celui-là qui est montré. Jaden. Je ne veux pas Jaden. Oui, celui. Ah, putain, ça fait plaisir de l'avoir. Oh là là, cool. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je ne guesserais pas que ça remove le stress, tu vois, ça enlève le stress. Parce que là, clairement, ça commençait à être long. Alors, 20K visior pour lui. Enfin, un peu plus, puisque effectivement, j'avais fait l'autre morceau. J'ai claqué 24 000 visior, mais il est présent. Sachant que, on a les missions, les défis, etc., etc. Donc, allez pas acheter dans les boutiques comme moi je faisais avant, genre en mode je me rush dessus pour monter le personnage, ça ne sert à rien. Regardez bien, faites votre calcul, combien je vais avoir de shards du personnage, combien j'en ai besoin au total avant d'aller acheter quoi que ce soit. Et surtout, vous avez des médailles aussi qui sont disponibles. Donc, utilisez-les, notamment, si jamais vous avez eu la chance, comme moi, de l'avoir avant la pitié. Mais vous voyez, sur cette bannière, quand même, une chance sur quatre, ça peut tomber. Donc, c'est pour ça que cette bannière-là, elle est quand même vachement mieux. Alors, certes, la visière payée ici vous permettra de choper des fragments, etc., etc. Mais franchement, est-ce que c'est ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est le personnage. Et on veut éviter d'aller à la pitié. Ça, c'est clair, net et précis.
Alors, je récupère mes médailles, tac, et je vais aller voir dans les missions, notamment. Hop, 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 mission, mission, mon ami, mission, mission, voilà, dans les missions, hop. Voilà, alors là, vous voyez, j'ai dépensé 3000 viseurs, j'ai eu 10 fragments. Ok, et là, c'est marrant parce que, en fait, il y a un moment donné où ça va devenir plus intéressant de dépenser des viseurs. J'ai dépensé 24 000 viseurs. C'est bon. Voilà. Ok. Et là, à partir de 50 000 viseurs, hop, dépensés. Attendez, c'est où? C'est où ce bordel? Où est-ce que c'était? À partir de 50 000 viseurs dépensés, on a les fragments. Mais par contre, 50 000, c'est énorme. Enfin, je veux dire, qui va à 50 000, quoi? Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Donc, moi, personnellement, ça me botte pas d'aller dépenser vraiment beaucoup de viseurs. Effectivement, on verra par rapport à ce que je devrais aller chercher dans les boutiques, etc. Mais commencez à le monter, aller chercher vos shards au fur et à mesure, tranquillement. Chaque jour, faites tout ce qu'il y a à faire et puis vous serez tranquille. Alors, justement, dans les personnages. Oui, vous avez vu mon équipe de GVG, mais c'est pas bien grave, elle va changer. Tac, il est où l'artiste? Ah, il est là, il est là, il est là. Ah, cool, cool. Ah, voilà, j'ai déjà des fragments grâce à tout ça, donc là c'est plutôt cool. Bon, bah voilà les amis, c'est cool, on l'a. Ah, je suis vraiment content, vraiment content. Tac, tac, on revient. Vraiment content, je l'ai. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous l'avez eu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez eu. Et n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, c'est très important. Et le petit pouce bleu qui va bien. Et si vous achetez vos viseurs, n'oubliez pas wotv.lordfab.com. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très 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 bientôt. Allez, salut, salut, ciao, ciao.